Hey, t'as pas une clope? Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok? Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Ici Perchoir. Mauvaise nouvelle, Condor 1. Avec le temps qu'il fait, l'hélicoptère ne pourra pas se poser. Est-ce que tu peux attendre que ça se calme? Négatif, trop risqué. On va essayer de trouver un endroit plus sûr. Désolé, j'aimerais pouvoir faire plus. T'en fais pas pour ça. On rentrera à la nage s'il faut. Condor 1, terminé. Et salut à tous et à toutes, c'est Xeno. On se retrouve ici pour la sixième partie de Resident Evil 4 Remake. Donc taisez-vous, merci. Voilà, je suis sur mon intro, bordel de cul. Bref, comme je disais, bienvenue dans cette sixième partie de Resident Evil 4 Remake. Du coup, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné du RE4. C'est un petit moment. Du coup, on va se réhabituer et tout. Voilà. Je vois que Ashley est toujours là, ce qui est fort dommage. Hein. Bon, bref. Bon, par contre, ils nous ont spoilé un peu Ada, hein, direct. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Ok. Bon, c'est vrai qu'il me semble qu'à la dernière fois, on avait fait passer une phase des enfers. Là, la phase avec Louis. Parce que j'ai vu. Oh. Une flamme bleue. Bref. Bon, normalement, on arrive vers le château, là. Tranquillou, j'espère qu'on n'aura pas la phase. Bon, par contre, j'ai des petits drops, c'est chiant. C'est un peu chiant. Ah bah. Welcome, stranger. Des munitions, ça on aime. Des plantes vertes, on aime bien. Des munitions de fusil, on veut. Des munitions de pompe, on veut. Bah, par contre, putain, faut vraiment voir hein, les trucs. Okay. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Alors, astuce du marchand, promenade nocturne. Tu as déjà croisé ces types avec des tentacules qui sortent de leur tête? Non seulement ils sont dangereux, mais en plus ils sont pénibles à tuer. Sans deck! Heureusement, ils ont un point faible. Ils ont horreur de la lumière vive, comme celle du soleil. C'est pourquoi tu. On n'en voit jamais en journée. Bref, s'il te prend l'envie de te promener la nuit, je te conseille vivement de garder quelques grenades à volcan sur toi. Moi, j'en ai toujours une ou deux sous la main. Si c'est ça t'intéresse, tu peux même en fabriquer avec la formule que je vends. Loul. Petit malin. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Un fusil à pompe anti-émeute. Nouveau pompe. À quoi tu tiens le plus? Ils vont un spray. À mon argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. Trésor. Oh. On va le vendre, ça. Nous emmerde, en fait. Si on peut en avoir un mieux. Du coup, ouais, on pourrait lui prendre ça, finalement. Merci. Avec ça, tu vas réduire tes ennemis en bouillie. C'est le but, man. C'est le but.
Il y avait quoi d'autre à acheter? Le lance-roquette, on s'en branle. Par contre, le sprint, on va le prendre. J'ai pas toujours ça en stock, étranger. Échanger. Ah, on a la crosse du Red 9. Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Donc on framera pour ça. Ok. En quoi puis-je t'être? Elle va pas te faire tuer, hein? On peut pas viser Ashley, je suppose. Non. Eh mais attendez, j'ai pas des œufs. Ah non, dommage. Qu'est-ce que c'est ça? Mine à des yeux. On s'en branle. Ok, comment on fait pour trier Alt? D'accord. Hop. Ça c'est bien par contre. Attends, on a plus une arme en fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Modifier peut-être. Est-ce qu'on n'augmenterait pas le couteau? Histoire de... Avoir une chance de sur... C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire bonne route. On va sauvegarder. Sauvegarder ici. On va continuer tranquillou. De la ferraille. Ceci est un ordre provenant directement de Lord Saddler. Transformez la zone au-delà de ce point en position défensive de sorte qu'aucun intrus ne puisse passer. Je suis prêt à accomplir tous les sacrifices pour la foi juste. Mes fidèles croyants, construisez-moi une forteresse imprenable. Faites en sorte que tout païen assez fou pour s'aventurer dans ce domaine paye ses péchés par le sang. Eh ben, c'est rassurant. C'est Dark Souls. Rapproche-toi. Attends. Comment on fait pour se baisser les gens dans ce jeu? Le mode fufu, c'est comment? Et voilà, c'est comme ça. Bon, il y a un blaireau. Est-ce qu'il est solo? Parfait. Oh, je sens qu'il y a un trophée dégueulasse pour un... What? Ouf. Ah, oh, mais il y a Minotaur. Super. T'es sérieux? Bah ouais, ils sont sérieux, j'ai l'impression. Et on peut pas maroufle, parce que c'est un jeu de merde. Tiens, bouffe. Bien sûr. Oh, ils ont pris Ashley. Oh. Depuis, j'ai plus de son. C'est chiant. Ah.
Mais lui, où est-ce, lui, là-bas? Ça va? Ouais, j'ai rien. Qu'est-ce que c'est relou. Du coup, ça reset les mecs? Non, je me disais aussi. Au devant. Ouais, vas-y, mais ils me saoulent avec leur molotov là. Quelle est cette saloperie? Allez là-haut. Mais non, elle était en bas en fait. Cette poufiasse. Mais genre, je la touche là ou pas? Merci. Putain, elle est où? Putain, mais elle est là-haut, quoi. Mais oui, le jeu, on voit que dalle. Allez. Oh mon dieu, que c'était chiant. Ah, les gunfights, je suis toujours pas convaincu. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas rejoué au jeu, mais. C'est quand même compliqué. Hein. C'est mou du cul pour les phases d'action que ça nous propose, au secours. Mais putain, vous nous envoyez combien des trous du cul là, qui nous envoient des bordels? Ah, tentacule. On a des balles de TMP, c'est cool. Le jeu est quand même cool, il nous redonne des munitions. Bon alors par contre c'est bien de nous mettre une pouf là, mais... Il nous redonne pas mal de trucs pour faire des munitions quand même. Et on y va comment là ici? Sans vouloir être trop... Trop chiant. Parce qu'on peut pas monter là, on est d'accord. Ah non, ce serait trop simple. Bon, on va essayer de faire des munitions là. Voilà. Belle de flingue, on a l'air pas trop mal. Hop. On n'a rien d'autre.
Ok, bon bah allons-y. Quand même pas foufou l'arbalète non plus. Hein. Bon, y a l'autre là. Trois, vas-y, ça commence. Non mais vas-y, casse les couilles. On va mettre combien là ? Allez, on bouge. Ah mais d'accord, ils nous font faire la phase obligatoire en fait, d'accord. C'est ça l'esprit. Bonjour, j'ai vu la lumière, je me suis... Putain mais c'était sûr ! C'était sûr ! Tiens, bouffe. Bien sûr. Mais bien sûr, mais putain, toujours plus. Ouais, ça, ils vont surabuser de ce truc-là, ça va être relou. Parce que c'est bien de mettre des désinfectés, des trucs. Quelle ligue d'expiation. C'est un trésor, quoi. Là, j'ai bien fait de le prendre, le spray, finalement. Oui, utilise-le. Merci. Bon, par contre, ça va être ultra relou s'il faut... toujours se soigner, machin, faire gaffe. C'est ultra chiant, en fait. Puis lui, c'est un putain de camion. Ils ont réussi à le rendre moins maniable que dans le jeu de base, quand même. Ça, c'est un exploit. C'est bien calme. C'est trop calme. Bon, il y a une porte. Oh, je le sens moyen. Voyons voir ça. Oh, vas-y, nique ta mère. Mais appuie. Merci. Saloperie. Okay.
Des munitions de TMP. On arrive de par où dans cette histoire? Ouais, on arrive de par là, je crois. Ok. Courte échelle, non, même pas. Ce qui vient, c'est qu'à chaque coup, ils te mettent des trucs en hauteur et pour y monter. Soit c'est pas là, soit ils font un autre truc. C'est super chiant, en fait. On va voir la map. C'est quoi la map, déjà? M. Ah, il y a des belles là que j'ai pas vu. Par contre, ce qui est bien, c'est que la map, c'est qu'il t'indique les trucs que t'as raté. Et ça, c'est cool. Ok. C'est fermé. C'est fermé. Oh, c'est toujours pareil. Genre, t'as pas une porte, ils peuvent pas l'ouvrir, c'est tout quoi. Oh, une arme jaune. C'est juste chiant, en fait. Un truc pour que Ashley se cache. Ah, il nous donne beaucoup de munitions, j'aime pas trop ça. C'est là que c'est... Voilà. Oh, pilote, arrête pas de geindre, là, au secours. Les portes qui se referment toutes seules, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Une porte. Sinon, faire un repas en retrait, c'était suffisant. Hein. Les deux chaînes sautent, bah oui. C'était sûr. Et il y a des mecs derrière. Non mais allez vous faire enculer, Capcom. Bon, là, a dû se prendre un coup de shotgun là, en vrai. Mais casse-toi. Mais cassez-vous. Oh là là, vas-y, ça casse tes couilles, quel jeu de merde. Allez. Oh, pilote qui queen, au secours. Ouais, vas-y, allez, nique ta race, tue-moi. Quel jeu de merde. Oh, de pire en pire. Oh, j'ose même pas imaginer les faces sur l'île, ça doit être horrible. Je sais même pas si ça doit marcher avec ça. Okay. Pff, ouais, je suis vraiment pas convaincu. Je suis toujours pas convaincu par le gameplay. Hein. Très honnêtement. Pff.
c'est une souffrance. Non, pas le carreau. On peut même pas piéger le truc. C'est de la merde. Et en plus, ça pète au bout d'un moment. Mais allez vous faire enculer, c'est pas des mines. Oui, passe-moi cette chiasse-là. Sinon, les mines, elles marchent ou pas dans ce jeu de merde? Non, non, ça marche pas, d'accord. Mais esquive! Mais putain, ça m'a désactivé le mode. Mais quel jeu de merde! Quel gameplay de merde! Je me suis un l'autre, il ouvre la porte, il attend de me choper. Puis elle, quel boulet. Arrêtez, pitié. Léo. Je vais te sauver. Et là, c'est pareil. Mais putain, mec. Mais il est pourri, ce gameplay. Mais il est à chier. Ah. Allez, oh. Au devant. Faut mourir maintenant. Bah oui, c'était sûr, bordel de cul, mais quel jeu de merde! Oh là là! Rendez-nous l'original, hein, sans déconner. Oh. Mais allez, ouvre là cette putain de porte. Mon toit va là-dedans. Là. Attends ici. Quoi? D'accord. Mais casse pas les couilles. Oui, on a compris. Je suis flatté, vraiment. Mais ça va pas être possible entre nous. Sinon, les mines, quand vous voulez que ça fonctionne, cette merde. Allez vous faire enculer, Capcom, avec votre jeu de merde. Oh, putain. J'ai rarement vu un truc aussi mauvais. Putain, mais voilà. Non, mais allez vous faire enculer. Oh là. Allez. Thank you.
Faut que je me barre de là en fait. Dégage-toi. Oh, qu'est-ce que c'est nul. T'es obligé de le rappuyer à chaque coup, mais quel truc de chiasse. Mais putain, tu veux faire quoi là? Sans déconner. L'autre il passe la moitié de tes balles. Sans déconner, c'est de la merde. C'est juste nul. Qu'est-ce que c'est nul. Ah, je suis désolé pour ceux qui ont kiffé le jeu, mais pour l'instant, je trouve ça... Le gameplay des fights, c'est mauvais. Il n'y a aucune sensation. Hein. Sur les gros, il n'y a aucune sensation. Casse-toi. Quoi? Allez, mangue-toi, ta gueule, vas-y. Casse pas les burnes. C'est juste incroyablement mauvais. Puis là, on est obligé de faire ça pour enlever les. Oh. Ça va pas être possible, en fait. On va les bourrer. Hein. S'il faut les bourrer, on les bourrera. Hein. Au devant. 3 grenades plus une mine. Est-ce qu'elles sont mortes? Bien sûr que non, parce que c'est Capcom, parce que c'est de la merde. Une balle de pompe. Bien sûr, elle meurt pas. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais tu comprends, c'est comme des boss. Allez vous faire enculer, c'est pas des boss. Là, on se retrouve harcelé par une demi-douzaine de paysans. Allez, mais voilà, il y a un putain de plagasse de chiasse. T'as l'autre qui s'excite. Oh, non, c'est juste nul. Voilà, c'est intéressant comme fight, hein. Ah ouais, c'est... Waouh. C'est incroyablement intéressant. Et en plus, on n'a même pas le temps parce que l'autre, c'est un putain d'asthmatique. Il n'y a aucune sensation dans les coups de feu. C'est... Non, c'est bien. Il n'y a pas à dire. C'est Game of the Year. Bon, là, je l'ai raté. Je me fous. Non. Voilà, mais voici... Oh. Non, c'est nul. C'est nul à chier. Tu te fais one shot en plus. C'est parfait. C'est juste de la merde. Là, elles sont pris 3 grenades, 3 balles de pompe. Non, non. Plus une mine. Non, non, on meurt pas. Il y en a qu'une qui meurt et l'autre, tu sais pas pourquoi, elle meurt pas. Non, c'est... C'est zéro, c'est nul. C'est nul à chier. Les courir d'une pièce à une autre, c'est, j'appelle pas ça du gameplay. Hein. Puis l'autre, elle va encore nous faire le même discours, blablabla, bla bla, machin. Allez, va, tu vas là-dedans et tu te tais. Oui, tu y vas, ta gueule. D'accord. Oui. Je suis flatté, vraiment. Mais ça va pas être possible entre nous. Thank you.
Au devant. Allez, mais putain, regardez ça, mais c'est de la merde. Il y a aucune sensation. Suivant. Oui, mais c'est normal. Non, c'est de la merde, c'est juste de la chiasse. En 2024, quoi. C'est 2023 qui est sorti ce jeu de chiasse. En plus, ils sont aimantés à nous, c'est... Non, de mieux en mieux, ce jeu. Pas à dire. Bien sûr. Oui, j'ai la manivelle, c'est cool. Oh là là, puis il court en plus. Oh là là. Qu'est-ce que c'est nul à chier. Dégage. Non mais d'accord, l'autre il a rush Ashley. Tiens. Mais putain, ça s'arrête quand là? Un Game of the Year. Pas à dire. Le gameplay incroyable, ils passent tous la porte comme des neuneux, ils sont en train de mourir bêtement. Ah non, c'est bien. Pas à dire, Game of the Year. T'as heureusement. Oh. Ouais, j'ai rien. Ah, t'as rien, tu m'étonnes. Eh ben, mon vieux, encore une belle phase de chiasse. Oh, j'espère que ça ira mieux avec les avec des armes nouvelles, parce que franchement... Les sensations sont... J'ai rarement vu un truc d'aussi mauvais. Hein. Surtout sur les gros, là, c'est horrible. Il n'y a aucune sensation, tu sais pas si on leur fait mal. Alors si, oui, tu le sais, quand elle vacille, c'est tout. Mais on va voir que t'as passé la moitié de ton chargeur. C'est pas mal. J'aime l'idée, hein. Comme. Bien sûr. Ouais. J'ai pas ouvert le raccourci, c'est con. Non, mais... Pff. Ils ont voulu faire, ouais, alors ce qui était mieux fait dans le remake, hein. Enfin dans le jeu de base, je veux dire. Encore une fois. Alors là, oui, ça surprend, mais là, il nous fait une pirouette à la Christophe Lambert dans Beowulf, tu sais pas pourquoi. Alors qu'il a juste à reculer, hein. Il a juste à faire un pas et reculer, mais bon, ça c'est Capcom, hein. c'est heureux, quoi. Pourquoi faire simple? Alors ils nous mettent les échelles, oui, loul. Sachant que tu te retrouves bloqué dans une pièce, t'as pas le choix de flinguer tout le monde, de bouffer toutes tes grenades. En plus, on était... Ah, mais il y a encore une phase. Il y a un placard, donc c'est qu'il y a encore une phase. Ah bah, un hôtel. Ah bah, des grands trucs. Et je trouvais ça mieux amené dans le jeu de base, quand même. C'est quand même pas incroyable, hein. D'accord, elles viennent de là. Ok. S'ils veulent. Pff, je sais pourquoi j'avais pas repris tout de suite, hein, finalement. Autant que je trouve des trucs cool dans le jeu, mais alors les gunfights, ce qui est le cœur du gameplay. Je suis déçu en fait. Je suis extrêmement déçu, quoi.
Oui, d'accord, on tourne en rond dans ce truc de merde. Ok. C'est génial. C'est génial. Il faut aller où, du coup, dans ce truc de merde? D'accord. On a la manivelle. Ah bon, c'est pour ouvrir la porte. Alors qu'ils sautent tout seuls, déjà, c'est déjà ça. On n'est pas obligé d'appuyer sur un bouton. Alors, ce qui peut être relativement pénible, ça, comme système. On arrive de par là ou... Oui, ça, on arrive de par là, en fait. Oh, puis déjà, Asli me saoule déjà, mais pas pour les mêmes raisons que dans le premier. Hein. L'entendre, elle était là. Comme un chien, au secours. Alors, ce qui est logique, mais bon. Ce qui est même réaliste. Donc, c'est pour faire ça. T'as rien? Non, ça va. Je crois. Tu t'en es bien sorti tout à l'heure. On dirait que t'as l'habitude de fuir des tordus. Je dois prendre ça comme un compliment. C'est rigolo. Bon, est-ce qu'on va avoir un mec pour sauvegarder, là? Non, mais je veux pas aller là. Descends, voilà, merci. Grenades. Ouais, il va falloir des grenades, là. Parce que s'il y a que ça qu'on peut faire des trucs dans le jeu. Alors, lui, ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'amuser à faire le 100%. Hein. Ça, vous pouvez en être sûr. Ils ont quand même réussi à rendre moins sensationnels les gunfights que R6. Et ça, c'est quand même un exploit. Putain. Pourtant, R6, j'ai beau aimer le gameplay, le jeu, c'est quand même de la chiasse. Enfin, il est quand même pas si bon. Il est vraiment pas très bon, le jeu. Alors là, en termes de gameplay de gunfight, j'ai rarement vu un truc aussi mou et chiant, quoi. C'est bon, on y va. Ok. Achevé. Léo. Ton âme doit être purifiée. On le fight ici? Ah ouais. Mais c'est quoi qui me bloque? Mais casse-toi, Ashley! Putain de merde! On te dit de te barrer, espèce de grosse conne! Ouais, attendez. Hop. Faut le tuer là, ici? Ah oui, d'accord. Bah oui, bah bien sûr. J'aime trop, c'est qu'on n'arrive jamais à les combattre sans qu'il n'y ait pas 36 milliards de mecs. Allez, vas-y, nique ta race. C'est fini? Ah ouais, j'ai fini. Voilà. Belle phase encore. Bravo Capcom. Comprends rien, c'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'... Parce qu'on sait pas, en fait. Quand le jeu nous montrerait que ça sert à rien de se battre. Bah non. Non, non. Là, tu crois qu'il faut le fat, en fait, faut juste se barrer. Voilà.
En plus, ce qui porte à confusion, c'est qu'il ferme la porte. Donc tu te dis, bon bah c'est le fight, en fait. Okay. Oui, par contre, on va pas revoir 50 000 fois la truc. Hein. Allez, on se casse. Allez, on se casse. Voilà, t'occupes pas d'eux, maintenant on le sait. Mais allez! Ah, mais d'accord, je pensais que ça roulait, mais même pas en fait. Pfff, allez, arrête, fourrasse. Ah, je me suis tordu la chouille. Faut y aller! Mais par contre, pas bien quand même de pas mettre les armes dans les cinématiques. Alors cours. Ah, la phase zone fertile, bien sûr. Bon, moi que j'aurais préféré. Il y a un meilleur gameplay niveau gunfight. Oui, mais Xexé, t'as pas tout loot. Rien à branler. Je pense qu'on va speedrunner la fin du jeu. Moi, c'est moi qui vous le dis. Je vais faire le strict minimum. C'est toi qui veux. Donc, si jamais on le revoit, tu cours. Mais, et toi? Je ferai ce que j'ai à faire. Ah, là, il doit y avoir un dialogue, mais c'est tellement bien foutu que... Ah, putain. Bon, je dois avoir des 13 ans. Ah, j'ai pas les bonnes pièces. Ah si, j'ai du bluff. Oui, mais tu t'optimises pas les... Rien à foutre. Ça ira très bien. Je vais pas m'emmerder pour le jeu de chiasse, hein, je vous le dis, moi. Ça ira très bien. Jette un œil, quelque chose va fort. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Rien. Planche de bois. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Bien vu, l'artiste. On va le vendre, ça nous emmerde en fait plus qu'autre chose. Non mais ça c'est pareil, le viseur laser, ça ne sert à rien. Mais vends-moi ça. Merci. On se requête, on s'en fout. Ma marchandise est en parfait état, je te le promets. Peut-être modifier des trucs. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Hop. On s'y ira bien comme ça. Le rechargement, on va l'augmenter. Voilà. Comme tu l'as demandé. La cadence de tir aussi. Et c'est ça pour voir. Et voilà, comme tu l'as demandé. Voilà, parfait. J'ai plein de... Reviens quand tu veux, surtout. Ah ouais, je reviens quand je veux. Bon, on est à combien? 50 minutes. On va continuer un petit peu. Là, pour l'instant, je suis blasé du jeu. Ah, il m'a saoulé déjà.
L'herbe rouge. Ah bah là, ça doit être la vraie bagarre à mon avis. Tu le sais ça? Oh tout puissant, donne-moi la force d'écraser tes ennemis. Putain de merde! Ashley! Oh, je le sens tellement moyen ce combat. Hasta luego! Ah bah c'est moi j'ai fait de la merde. Les boutons. Allez. Ah. J'ai rien pu faire. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Allez. Sinon ton fusil à pompe tu le reprends quand merci. C'est un grand combat, ça. Tiens, bouffe. Comment veux-tu être aussi stupide? Mais j'appuie là. Oh, mais ta mère. Encore trop de sensations. Allez, dépêche-toi, Léon. Magne-toi le fion. Allez. Oh là là, j'ai plus de place. Ta mère. Bon, on doit faire des missions de pompe. Comment ça, j'ai pas assez? Oh. Fais-moi des balles de TMP, voilà. Merci. T'es plus rapide que t'en as l'air, mon salaud. Sûr. Il est mort. Bah non, phase 2. Après, il est assez bien fait quand même. Hein. Les boss ont pas changé trop le combat, j'ai l'impression. Comment ça, je prends feu? Oh là là. Allez! Oh là là, aussi, ça qui m'a foutu sur PC. Aïe, bien sûr. Non, même pas une petite phase où on esquive. Non, non, faut juste que tu cours comme un bonnet. Voilà. Mais on est obligé de s'en prendre un au bout d'un moment. Il est tellement mou du cul, Léon. Qu'est-ce que tu veux faire? Thank you.
Voilà, parce que tu peux rien faire, tu sais pas ce qu'il va faire. Fais attention avec ces trucs-là. En plus, t'as Léon qui nous spoil. Allez, finis-le là qu'on n'en parle plus. Il nous a niqué trois fois le couteau, quoi. Mais tu veux faire quoi avec ça? Allez, là! Mais putain! Le menu! Oh, putain, mais quel jeu de merde! Bien sûr! Voilà, tu peux rien faire parce qu'il y a une animation de 30 ans pour de la merde. Que dans n'importe quel jeu, tu pourrais pas y aller parce qu'il t'aura un putain de mur invisible. Mais c'est trop bien, il y a pas de mur. Non, c'est de la merde, c'est juste chiant. Et on esquive comment? On esquive comment? Capcom, allô? Mais putain, c'est pas ça que je veux, mais putain. Ah, et ça aussi, ils ont pas réussi à faire quelque chose de propre, Capcom, au secours. Mais putain, tout ça parce que je voulais l'herbe verte, et ça m'a décalé tout. Oh, vas-y, va là. Bon, on fait pouvoir pivoter, voilà, tu vas là. Voilà, merci. Utiliser. Mais prends-le, ce putain de fusil. Oh. On va crever parce que c'est de la chiasse. J'ai appuyé, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça marchait. Eh ben mon vieux, quel jeu combat de merde. L'œil de Mendes. Salut ton dieu de ma part. J'ai plus de vie, j'ai plus de soins, c'est parfait. Ouais, non, je suis pas convaincu. Hein. Vraiment pas convaincu. Putain, oh, Salazar, ça va être encore quelque chose, hein, je le sens. Alors est-ce que vous voyez, est-ce que le jeu va être sympa? Est-ce que le jeu est sympa, il va nous donner du soin? Bah non, il va pas nous donner de soin. Non, tu vas devenir pire. Bon, et cassons-nous. Attendez quoi, il y a un trésor. Faut aller là-haut en fait. Ouais, c'est ça. Ah, le château. Ouais, non, on n'a plus la phase avec le camion, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il ferme le pour-levis, connasse. Loul. Bon. Au moins, on est sûr de pas être suivi. Allez, en route. Eh ben, mon vieux. Ce fut long et dur, encore, cette partie. Hein. Je comprends pourquoi j'avais pas repris tout de suite. Hein. Sauvegarde, non.
Début du chapitre 7. Ouais, bah on est pas mal, hein. Bon, début du château, du coup, au prochain épisode. On verra ce que ça donne. J'espère que ça sera... J'espère que les gunfights seront mieux pensés, parce que... Oh putain, il y a les... Il y a les mecs avec les griffes. On va se barrer, je pense. Ah, ça va être incroyablement fun, encore. Ouais, non, pour l'instant, le gameplay des... Depuis le début, hein, je le dis, c'est peut-être popé, mais le gameplay des gunfights est mou du cul. Pour l'action qu'on nous propose, c'est mou. J'ai encore, je dis c'est mou pour être gentil, hein, parce que très sincèrement, je pense que c'est mauvais, quoi. C'est même mauvais. C'est vraiment... Enfin, c'est très feignant de la part de Capcom, ils auraient pu... Ils auraient pu améliorer la recette des RE2 et des RE3, quoi. Mais sinon, c'est... Ah, je trouve ça pas du tout adapté à l'action qu'on nous propose. Là où RE4, original, tout en sachant qu'on ne pouvait pas se déplacer en tirant, était mieux foutu. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. En tout cas, j'espère quand même que cette partie 6 de RE4 Remake vous aura plu. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine.